Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour vous souhaiter la nouvelle année. Et oui, aujourd'hui c'est le réveillon de la nouvelle année et demain c'est 2019. Enfin normalement ça devrait être aujourd'hui mais bon, le calendrier grégorien est comme ceci. Bien sûr, ça va pas tarder à être changé, ça, le calendrier et les fuseaux horaires. Vous inquiétez pas, ça arrive. Et du coup, on va vous résumer l'année 2018 et bien sûr, on va vous dire ce qui va se passer en 2019. Alors, comme vous l'avez vu, l'année 2018 a été une année de changement. C'est-à-dire que là, en plus, on se termine sur une période où ça se mobilise beaucoup, où les choses vont comme vraiment y changent. Donc, notamment avec les gilets jaunes. Et d'ailleurs, on ne lâche rien, hein, bien sûr. Il faut rien lâcher. Il faut être déterminé et courageux dans ce qu'on fait. Et être surtout très très objectif dans ce qu'on fait. Donc les gilets jaunes, on ne lâche rien. Et surtout le peuple français ne lâche rien. Ça c'est très important. Mais au-delà de ça, bien sûr les gilets jaunes ne sont pas que français, c'est mondial, c'est humain. Ça va au-delà de beaucoup beaucoup de choses. Aujourd'hui les gilets jaunes c'est partout sur la planète. Dans tous les pays, que ce soit les 5 continents, on a tout le monde. Le même objectif, c'est de faire disparaître ce système et d'en faire un autre qui soit plus adapté à notre état d'être, à notre conscience et à ce qu'on veut réellement pour nos enfants. Voilà. C'est ça, en fait, le plus important. Alors, bien sûr, la moisson a commencé maintenant, ça fait plus d'1 an. Au mois d'août, ça fera 2 ans. Et oui, ça passe vraiment vite maintenant. Ça passe vraiment vite. Et oui, ça, c'est le spin-up de la planète. Et du coup, ça fait que, dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Et maintenant, comme demain, nous allons être dans une nouvelle année, eh ben, on va se mettre à la pratique. Ça va être l'heure de la pratique. Et on peut le dire d'une certaine manière, c'est qu'on a changé, on est passé dans une nouvelle ère. Ça, c'est le plus important. Et qui dit nouvelle ère, qui dit nouveau changement, nouveau mode de vie, hein, soit assez planétaire, hein, bien sûr, et le plus important, c'est que c'est un nouveau paradigme adapté à nos besoins. Alors, bien sûr, ça demande un petit peu de temps, ça, c'est en train de se faire, mais la garantie est là, c'est que ça va s'accomplir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer en 2019? Concrétisation. En 2019, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, il va y avoir plus d'activités planétaires. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de volcans, il va y avoir beaucoup de catastrophes. Alors qu'en fait, ce sont juste une adaptation pour amener le changement. Il va y avoir aussi beaucoup, si on parle dans le domaine spatial, il va y avoir aussi beaucoup de tempêtes solaires. Parce que déjà, on a eu beaucoup, là, c'est l'année 2018. On a eu à peu près 4-5. Enfin, à peu près, je vous dis une estimation, j'en suis pas sûr, ça se trouve, c'est plus ou moins. Hein. Mais là, on va en avoir encore. Et en fait, ça va augmenter. Et on va, bien sûr, avoir des lunes, avoir beaucoup d'autres choses, hein. Voilà. Autrement dit, les énergies sont là, tout est là pour qu'on passe dans la réalité, dans la nouvelle réalité d'un meilleur monde. Voilà, tout est là pour nous accompagner dans ce système. Et du coup, ça s'accélère. Alors, si vous le rappelez, on vous avait dit que à peu près, le changement allait se concrétiser en 2022-2024, vers ces eaux-là. Et eh bien ça a avancé. Maintenant, c'est très très proche. C'est-à-dire qu'on parle en termes de mois. Là, ça change tout. Ça change vraiment tout. Et du coup, ça fait que il va y avoir beaucoup de changements. Le système, tel que nous le connaissons actuellement, va disparaître en 2019. Je vous dis juste ça comme ça, parce que ça va se réaliser. Vous le verrez dans l'année de janvier à décembre. C'est-à-dire que tout le monde va avoir
changement, que ce soit dans sa conscience ou que ce soit dans son domaine ou dans son environnement. Et du coup, après, les gens, vu qu'ils commencent à se réveiller, c'est ça qui est intéressant, du coup, ils vont commencer à se poser des questions et commencer à réfléchir à s'adapter à une nouvelle vie. À une nouvelle vie où c'est la nature et c'est plus naturel. C'est-à-dire qu'en fait, la nature, voyez-vous, comme vous le savez, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui se fait tout le temps, qui change en permanence et qui s'adapte aux besoins des autres. Et bien là, c'est ça qui va se faire. C'est qu'on va s'habituer aux besoins des autres, on va s'habituer à chacun de nos besoins, et on va changer de style, on va changer notre mode de vie. Et du coup, ça passe par ce système, et on va changer ce système. C'est pour ça que je vous dis que le système dans lequel on vit va s'effondrer, va disparaître. Cette année, là, 2019 qui arrive. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc ça, rien que ça va entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on va avoir des relations extérieures. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Et du coup, ça va faire que tout le monde va pouvoir s'exprimer. Ça, c'est l'important. Alors, bien sûr, il est important de se rappeler qu'on fait qu'un. On ne fait tous un seul truc, c'est-à-dire l'humanité. Mais au-delà de ça, on ne fait... On est vraiment tous unis, que ce soit par notre humanité, notre solidarité, que ce soit par amour. Et du coup, ça fait que tout ça, toutes ces choses font notre force. Font notre force de vivre, notre force de faire et notre force surtout de garder le même objectif. Et du coup, ça fait quoi? Eh bien, ça fait les amis que... Tout est en train de changer dans le bon sens. Alors, en ce qui concerne les sites, comme je vous l'avais dit dans le bilan du mois de décembre, le mois de décembre ou novembre, enfin, dans le dernier bilan en tout cas, je vous avais dit que à la nouvelle année, il va y avoir sur Force Pingouin des nouveaux articles et des nouvelles rubriques, etc. Et ben oui, ça va se faire, c'est à partir de minuit 1. C'est le 1er janvier à minuit 1, et ben vous aurez tout. Donc c'est des recettes en fait que j'ai recopiées. Et du coup, c'est tout, tout, tout plein de choses. Vous avez déjà 30 livres actuellement qui sont disponibles. Là, vous allez tout de suite, vous avez 30 livres gratos. Et après, vous aurez encore plus. Vous aurez des recettes, vous aurez des plans, vous aurez beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ce sera Force Pingouin, le site, une encyclopédie. Il va y avoir aussi des modifications sur CLG. On va amener aussi des articles. Enfin, ça continue, vous inquiétez pas. Les sites continuent à évoluer. La chaîne YouTube Force Pingouin continue aussi à évoluer. Et tout ça dans le bon sens, bien sûr. Au passage, en même temps, pour vous dire que notre ami GG, nous, comme vous le savez, il est déjà bien là où il est, eh ben, il nous fait un gros gros bisou à tous. Il nous souhaite une bonne année aussi, parce que bon, lui c'est pas la bonne année, c'est dans quelques mille. Enfin, c'est dans bien longtemps. Mais du coup, voilà, il pense fort à nous. Il pense fort à chacun de vous qu'il a côtoyé ou qu'il a vu à travers une vidéo ou à travers. Face à face, et du coup, ils nous fait tous un petit bisou et ils nous souhaitent tous la bonne année. En passant, je vous fais passer le message. Et du coup, alors pour les livres, je vais quand même vous en reparler pour le mois de janvier, mais pour les livres, c'est toujours en train de se faire. On en est juste à la couverture et on va publier. Donc, c'est les connaissances de la vie, le principe de 1. Donc, on n'en est plus qu'à ça, mais on va publier certainement. Et les connaissances de la vie en premier, parce que le principe de 1 va être fait en deux volumes. Il est assez énorme en A4, et du coup, voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça, pour la nouvelle année. Et bien sûr, pour conclure, toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2019. Passez un beau réveillon, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve à l'année prochaine pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos.
Très bonne année à vous tous. Merci à vous d'être fidèles à cette chaîne YouTube, au site web et à nous. Et surtout, ne lâchez rien. On est déterminés et on va réussir à avoir ce qu'on veut. Bonne année à tous. Bonne année 2019.